talk to me like that before. Coucou les filles. Hello. Alors on se retrouve pour un haul aujourd'hui, on va vous partager nos petites emplettes du mois passé et de ce mois-ci, tout ce qui concerne maquillage, vêtements, mode. C'est parti, let's go. Alors moi j'ai deux pulls à vous présenter, deux pulls qui viennent tous les deux de chez Pinky. Donc en ce moment il y a des réductions chez Pinky, c'est genre moins 40% sur tous les, enfin sur une sélection d'articles. Donc je vous conseille d'aller voir, moi je suis allée à celui de Rivoli et à celui de Châtelet à l'intérieur dans les Halles. Et donc j'ai pris un pull couleur blanc cassé comme ça, avec des espèces de franges qui viennent comme ça devant, tout simple. Et derrière il y a deux espèces de fils croisés, ça fait comme des nattes en fait. Il tient super super chaud et il était à 35,95€, donc moins 40%, donc j'ai eu je crois, si je ne me trompe pas, une vingtaine d'euros. J'ai pris un deuxième, cette fois-ci il est couleur rosé, un peu pêche, et il est un peu court, donc du coup j'aime bien le porter avec des jupes taille haute ou des pantalons taille haute pour faire un espèce de pull crop top. Et il est super bien, il tient vraiment chaud, j'avais vraiment besoin de pull parce que là avec le froid qui est revenu, je me suis rendu compte que bah, au final j'ai plus de pull dans ma garde-robe. Donc j'ai acheté ces deux là chez Pinky. Toujours chez Pinky, j'ai pris une chemise toute simple, c'est un basique, hein, une chemise blanche. Quelque chose qui me manquait aussi dans mon armoire, donc à mettre soit toute simple comme ça avec un jean ou alors avec un en dessous d'un pull aussi, ça fait joli. Elle était aussi à moins 40 si je ne me trompe pas. Donc allez faire un tour, il y a vraiment de belles choses. Mais ça continue toujours les soldes là ? Je crois, faut aller voir. Après je pense que ça fait une ou deux semaines, mais après faut aller vérifier. Ou alors sur le site aussi. Alors moi je vais vous présenter une chemise que j'ai achetée chez Stradivarius. Donc c'est une chemise à carreaux qui sont très tendance en ce moment. Donc celle-ci elle est bleu marine et vert kaki. J'ai bien aimé le mélange des deux couleurs. En plus je trouve qu'on voit beaucoup de bleu et blanche, de rouge et bleu marine, mais je trouve que celle-ci elle est originale. C'est vrai qu'elle est un peu sombre, mais voilà, je l'ai trouvée vraiment très chic. Surtout que le col, en fait, c'est un col rond. Ça fait plus féminin, en fait. Voilà, c'est un petit col rond. Ça fait pas vraiment le col chemise, la chemise masculine, non. Ensuite, c'est un haut. Alors, on dirait une robe, mais en fait, c'est un haut. Il est long, il est super long. Mais en fait, il y a des fentes. Il y a des fentes au niveau du ventre. En fait, pour faire comme façon crop top. Mais en fait il est très très long, donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre quelque chose en bas. Soit un short en été ou un legging en hiver avec des bottes. Voilà, c'est un haut, il est bleu marine et j'ai bien aimé le petit détail ici, les deux petites bandes comme ça, j'ai trouvé ça sympa. Ensuite chez Forever 21 j'ai acheté cette espèce de longue robe. C'est une robe un peu sportwear, donc elle a des espèces de bordures blanches autour. Elle est assez souple. Et il y a plein de rayures comme ça, il y a plein de petites rayures en fait. Et voilà, elle fait vraiment effet un peu sport. Donc celle-ci, je l'ai payée 22€ chez Forever 21. J'étais à la recherche d'une robe noire assez simple. Au début, je pensais qu'elle allait m'aller plaquer, mais au final, elle est assez large. Et je l'aime bien parce que je trouve que ça fait... On peut casser ça avec par exemple des cuissardes ou avec des talons, ça fait un look assez... Alors, au niveau des robes, donc moi j'ai acheté une robe... Enfin, c'est une robe qui vient de chez Boohoo. Elle est longue, toute simple. Les robes midi, en fait, c'est une robe midi qui sont très tendance en ce moment, qui s'arrêtent mi-mollet. Et elles sont super parce que je trouve qu'elles sont simples, mais elles ont un style très élégant avec des petits talons ou des bottines. Je trouve que c'est très, très, très joli. Ensuite, vous me direz que j'aime le noir, hein, mais une autre robe noire que j'ai achetée chez Misguided. Elle était en solde, elle était à 14€. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir chez Misguided, je pense qu'il doit avoir des promos. Donc en fait elle est épaule dénudée, donc elle est ajournée, épaule dénudée comme ça. Les manches sont plus basses. Et elle, surtout, moi ce qui m'a plu c'est la matière en fait. Elle est en molletonnée. Elle est molletonnée. Peau d'ours un peu, enfin pas peau d'ours mais... Ça fait un peu fourrure façon. Ouais, fourrure. Un peu fourrure, donc pareil. L'hiver c'est bien. Elle est très longue aussi, voilà.
Le côté long, je trouve que c'est joli, trop joli. C'est plus joli que les robes courtes, en tout cas pour ma part. Ok, alors moi chez Boo aussi, j'ai acheté pas mal de choses, vu qu'en ce moment il y a plein de 25% à chaque fois. Tous les dimanches, je reçois un mail, moins 25%, moins 25% chez Boo. Donc du coup, je suis allée et j'ai pris une robe de soirée. Alors courte, hein? Non, elle est pas courte. Elle paraît courte, mais elle est pas courte. Donc elle est longue comme ça, enfin longue, non, mais elle est taille normale, hein, avec des bretelles toutes fines. Et la poitrine bien dégagée. Alors je l'ai acheté parce que souvent c'est quand il y a des événements que je commence à chercher des habits pour m'habiller dans mon placard. Donc je me suis dit, même si j'ai pas d'événement, je vais acheter une robe toute simple. Comme ça, le jour où j'en ai besoin, bah, j'en ai une. Ensuite, toujours chez Boo, j'ai pris une robe longue comme ça, très très longue, noire, avec des fentes sur le côté. Voilà, donc c'est les robes, c'est robes midi on dit. Voilà, c'est robes midi avec un col. C'est pas totalement col roulé, mais c'est, ça arrive. Col montant. Voilà, c'est col montant. Avec des manches 3 quarts. Voilà. Une matière assez souple aussi, quand même, parce que Boo, je trouve que les matières, elles sont pas très très épaisses. Hein. Bon, après, ça dépend des robes que vous choisissez, mais celle-ci, elle est assez souple. Voilà, et toute noire. La dernière chose que j'ai achetée chez Boo, c'est une robe col roulé noire qui m'arrive au mollet, même un petit peu avant les mollets, je pense. Les manches 3 quarts et le col roulé, voilà, rayé noir et blanche. Donc je vous cache pas qu'elle met les formes en valeur. Hein. c'est les matières qui sont très près du corps. Elastane, voilà. Alors j'ai ce pull aussi que j'ai acheté chez ProMode il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était le mois passé. Vous avez dû le voir dans la précédente vidéo, mais voilà, je vais vous le montrer plus en détail. Donc c'est un pull noir avec des cœurs blancs et dorés. J'ai bien aimé le petit motif, il est pas très long, il est pas très court. Il est crop top, non? Un peu, il est un peu crop top, mais en fait, il y a comme une large bande au niveau du bas. Donc ça fait qu'il est pas tellement sauté, mais il est pas long non plus. Hein. Donc j'aime bien, la taille juste, j'aime beaucoup, ça change avec des petits cœurs et tout. Donc chez ProMode, je l'ai acheté en promotion, je l'ai acheté à 13€ je crois. Donc aussi aller voir chez ProMode, des fois il y a des petites soldes par-ci par-là. En fait j'ai l'impression que là, vu qu'on va rentrer dans une nouvelle saison, les magasins ils ont ressorti un peu les, je sais pas, peut-être les pulls des anciennes collections. Les pulls des anciennes collections. Et ils ont cassé les prix et tout. Et aussi je crois que c'est bientôt, il y aura la Black Friday aussi. Donc c'est une semaine avant le mois de décembre, vous allez voir, il y a plein de magasins qui vont faire des soldes. C'est pas officiellement les soldes, mais voilà, c'est le vendredi noir aux États-Unis, ils appellent ça Black Friday. C'est la semaine où vraiment les prix, il y a des choses où les prix sont vraiment cassés. Donc je pense que là, ça sera l'occasion de de faire du shopping. Truc. Comme je vous l'ai dit aussi sur l'article de mon dernier blog, je parlais de la Black Friday. Avec ce manteau justement, de chez Boo. Donc ce que j'aime bien ce manteau parce qu'il est... Le motif c'est Prince de Galles en fait. Et c'est un motif qui revient super à la mode. Il y a plein de manteaux, de vestes comme ça en ce moment avec ce motif Prince de Galles parce que c'est un motif qui est super tendance en ce moment. Donc voilà. C'est un manteau coupe droite. Il fait un peu blazer mais c'est très classe en fait. J'aime bien. Ouais, le col il est beau. Ouais. C'est bien coupé. Ouais. Donc. Ok les filles, maintenant on va passer aux chaussures. On a acheté quelques paires. Vas-y Renée. Alors bien sûr il n'y a pas d'hiver sans bottes hein, donc on est allé fouiner un petit peu et moi j'ai trouvé en friperie chez Guérisol à Barbès sur la ligne 2 ces bottes là. Voilà, c'est des bottes montantes avec un talon en bois oui. Un talon en bois et en fait c'est des Zara mais anciennes collections. Donc du coup voilà, j'ai trouvé et en plus c'était ma... Même pas, c'est pas ma pointure, c'est du 38. Moi je fais du 39 de base, là c'est du 38 et ça me rentre. Franchement, la chance, ça me rentre, voilà. Donc franchement, allez fouiner en friperie, allez regarder, on peut toujours trouver quelque chose. D'ailleurs j'y vais bientôt là, je dois y aller absolument. Moi les friperies c'est... Voilà, je suis tout le temps là-bas. Si vous voulez qu'un jour on fasse une vidéo sur ça, il n'y a pas de problème parce qu'on a beaucoup d'articles de friperies. Que ce soit les pulls, les manteaux, les chaussures. C'est vrai que les chaussures c'est souvent coup de cœur, hein. C'est la chance, voilà. Donc j'ai eu la chance de trouver ces merveilleuses bottes beige en daim.
Voilà, ancienne collection de chez Zara. Très contente. Mais pour de la fripe, on ne trouve pas seulement des choses vieillottes. Hein. Ouais. On peut trouver des choses en très bon état. Il n'y a presque rien à retoucher en fait. Mmh. Alors, pareil, moi aussi, je suis allée à la recherche des bottes de cet hiver. Et j'ai trouvé ces cuissardes noires. Super, hein. Ouais, mais je les ai tellement regardées. Mais avant celle-là, tu les as trouvées où? Ah, elles sont belles, hein. De toute façon, tu vas le dire. Alors, les amis, j'ai fait le parcours du combattant pour chercher des cuissardes. Mais en fait, ce qui me gênait, enfin, pas ce qui me gênait, moi, ce que je regardais en tout premier lieu, c'était le talon. Parce que moi, le talon aiguille avec des bottes, en hiver, c'est pas possible, je peux pas marcher vite. Pas pour tous les jours, quoi. Voilà, pas pour tous les jours. Et moi, je cherchais vraiment une cuissarde pour tous les jours que je peux mettre avec tout. Et donc, j'ai trouvé ce talon. C'est un talon carré de 6 cm. Ouais, 6 cm, donc pas très haut. Bout pointu. J'ai exigé le bout pointu parce que je trouve que les bottes à bout pointu, c'est très féminin, c'est très joli. Donc j'ai exigé le bout pointu, le talon pas trop haut et ni trop aiguille. Voilà. Et évidemment qui monte jusqu'au-dessus du genou. Et donc ma paire idéalisée, je l'ai trouvée et devinez où? Chez H&M. Et oui, c'est H&M Online, donc en fait c'est sur shopping en ligne. Je les ai achetées quand même... Enfin, moi je trouve que c'est le prix des bottes après, hein. Je les ai achetées 149 euros. Parce que... oui, je sais, vous allez me dire c'est cher pour du H&M, etc. Ouais, mais c'est H&M... Mais voilà, en fait c'est le H&M Premium, donc ça veut dire que c'est du cuir. C'est vraiment du cuir, c'est du daim, elles sont en daim. Elles sont belles, hein. Franchement elles sont belles. Et c'est du vrai daim, donc voilà, exactement, j'ai mis le prix, mais de temps en temps, il faut mettre le prix pour avoir aussi des belles choses. Coupe. Moi, c'est la coupe, c'est pointu comme ça, et le talon, mais talon pour tous les jours, non, franchement, elles sont belles, elles sont habillées, donc voilà, avec un jean plutôt slim, avec une jupe courte, et quand je les ai achetées, je me suis... J'ai dit, voilà, je vais mettre du court, je vais pouvoir mettre du court, je vais oser le court. Enfin, j'ose déjà le court, mais en hiver, je vais porter du court comme j'avais envie. Quand on a des cuissardes, justement, c'est le but un peu. Voilà, voilà. De pouvoir mettre des choses courtes avec des hautes bottes. Mmh. Elles sont belles, hein. Donc, voilà. Elles sont belles. Au niveau du maquillage, j'ai opté pour un nouveau fond de teint que je suis en train d'essayer et que j'apprécie pas mal, ça va. C'est l'accord parfait de L'Oréal. La teinte, c'est le doré foncé. Donc en magasin, j'ai essayé le fond de teint, mais il ne faut pas l'essayer sur la main, je précise bien, parce que sur la main et sur le visage, on n'a pas la même carnation. Donc les filles, si vous voulez essayer votre fond de teint en magasin pour voir s'il vous va, essayez là, vraiment dans les zones là, vraiment essayez sur le visage parce que sinon vous allez vous tromper. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai pris la teinte doré foncé. Ce que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est qu'il y a des paillettes. C'est qu'il y a des paillettes, donc ce qui fait un effet assez lumineux. Mais voilà, pour l'instant je suis en essai, je vais en essayer d'autres aussi parce qu'en ce moment c'est fond de teint léger, à la recherche du fond de teint assez léger. Mais voilà, mais pour l'instant il est satisfait. En ce moment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les produits Benefit. J'utilise déjà le mascara et là, j'ai opté pour cet illuminateur qui s'appelle What's Up. Il est top. Donc, il a deux têtes avec une éponge et une tête, on dirait un rouge à lèvres. En fait, ça permet d'appliquer l'illuminateur très facilement. Vous avez juste à faire ça, 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 dans les zones en fait essentielles. Et après, vous estompez avec vos doigts. Ou vous pouvez utiliser... Vous ferez une démo. Voilà, vous ferez une démo. Ou avec une petite éponge. Mais c'est mon illuminateur du moment. Voilà. De chez Benefit. Au niveau beauté, alors comme vous savez maintenant, pour celles qui nous suivent, moi c'est les vernis. J'aime trop ça. Alors, là j'ai acheté chez H&M deux vernis qui sont vendus comme ça. Ouais, ils sont tout petits. Franchement, ouais, des miniatures. Ils sont petits, ils sont à 2 euros. Ils sont vendus comme ça par deux. Alors, il y en a un couleur vert... vert caca d'oie un peu, voilà, et l'autre, aubergine, voilà, deux couleurs que j'aime beaucoup sur les ongles, ça fait très beau en hiver, et un basique que j'ai racheté chez Kiko, j'ai l'impression que Kiko, ils ont diminué le prix de leur vernis, hein. Ah bon, pourquoi? Ouais, je crois que c'est celui-là, je l'ai acheté 1,90, donc normalement, c'est 3 euros chez eux, normalement, donc là, 1,90, c'est pas 2 euros, non, c'est 2,90, je crois, et là, celui-là, en tout cas, celui-là, je l'ai acheté 1,90, je vais être en solde.
Non, même pas, parce qu'il y a deux catégories maintenant de vernis. Et donc, c'est un nude, c'est celui que j'ai sur mes mains. C'est un rosé, rose pâle, comme ça. Et très bien. Pour le moment, je n'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, j'ai acheté un rouge à lèvres chez Kiko. Là, c'est un rouge à lèvres de couleur nude. Voilà, comme ça. Et j'étais à la recherche désespérément d'un rouge à lèvres nude. Et j'ai enfin trouvé chez Kiko. J'allais me promener, j'ai trouvé. Je l'ai acheté, si je ne me trompe pas, entre 7 et 8 euros. Ils ne sont pas très chers, les rouges à lèvres de Kiko, ça va. Ouais, et ce qui est cool, c'est le packaging. En fait, vous appuyez comme ça. Voilà, le rouge à lèvres, il sort. Et hop. Voilà, c'est sympa. Donc voilà les filles, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bien évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. On vous invite aussi à aller voir dans les boutiques. En ce moment, il y a plein de choses, plein de soldes. Allez sur les boutiques en ligne. Shinside, Misguided, Boohoo, enfin bref. Il y en a plein. Asos. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. On est 5000. Merci. Et toutes les nouvelles personnes, eh ben, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous aussi. À venir nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et puis, voilà. À aller aussi sur le blog de Renée, là où elle parle d'ailleurs de son manteau, donc le dernier look dont elle vous a parlé dans cette vidéo. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.